مرحبا، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو لدينا قصة بعنوان هانسل وغريتل. هذا الفيديو سوف يكون الجزء الأول من القصة. سوف نقرأه باللغة الفرنسية ثم سوف نترجمه إلى اللغة العربية، وفي الفيديوهات القادمة سوف نضع الأجزاء الأخرى من القصة. Bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va lire une histoire. C'est l'histoire de Hansel et Gretel. Cette vidéo sera la première partie de l'histoire. On va la lire en français, puis on va la traduire en arabe. On commence la lecture. Hansel et Gretel, un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. » « Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. « Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. « Oh, fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ?» Et n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère, « C'en est fait de nous. »« Ne t'en fais pas, dit Hansel, je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. « Debout, paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit, « Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit, « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit, « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors, nous retrouverons notre chemin. » Maintenant, on va passer à la traduction en arabe. الآن سوف نمر إلى الترجمة باللغة العربية. Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel
et la fille Gretel. Un bûcheron, sa femme et ses deux enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés. Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Oh fou, rétorqua-t-elle. Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre? Oh fou, rétorqua-t-elle. Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre? Oh fou, rétorqua-t-elle. Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre? Et elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir, à cause de la faim qui les tenaillait,
entendirent les paroles de leur mère. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère, « C'en est fait de nous. » Gretel pleura beaucoup et dit à son frère, « C'en est fait de nous. » Gretel pleura beaucoup et dit à son frère, « C'en est fait de nous. » « Ne t'en fais pas, » dit Hansel, « je trouverai un moyen de nous en tirer. » « Ne t'en fais pas, » dit Hansel, « je trouverai un moyen de nous en tirer. » « Ne t'en fais pas, » dit Hansel, « je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. Debout paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. Debout paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. Debout paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, voici pour le repas de midi. Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, voici pour le repas de midi. Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tout en route pour la forêt. Puis, ils se mirent tout en route pour la forêt. Puis, ils se mirent tout en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit. Quand ils furent arrivés, au milieu de la forêt, le père dit. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit. Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. Maintenant les enfants,
ramasser du bois, je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on lui mit le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit. Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, » dit-il, « jusqu'à ce que la lune soit levée. » Hansel la consola. « Attends encore un peu, » dit-il. Jusqu'à ce que la lune soit levée. Hansel la consola. Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors nous retrouverons notre chemin. Alors nous retrouverons notre chemin. Alors nous retrouverons notre chemin. Écoutez et pratiquez. Hansel et Gretel, un bûcheron, sa femme et ses deux enfants, vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin. Et nous en serons débarrassés. Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Oh, fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre? Et ni de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir, à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère, « C'en est fait de nous. »« Ne t'en fais pas, » dit Hansel, « je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux
qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. « Debout paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, » dit-il, « jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors, nous retrouverons notre chemin. » Essayez de lire ce texte pour vous-même, voir à haute voix.
Suivez avec moi une autre fois pour voir si vous avez fait une faute lors de la lecture. Hansel et Gretel, un bûcheron, sa femme et ses deux enfants, vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays. Et le bûcheron, durant une de ses nuits sans sommeil, où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. » « Eh bien, » dit la femme, « sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. « Non, femme, » dit le bûcheron, « je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. « Oh, fou !» rétorqua-t-elle. « Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ?» Et n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les deux petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup. Et dit à son frère, « C'en est fait de nous. »« Ne t'en fais pas, » dit Hansel, « je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les deux enfants. « Debout paresseux. « Nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetaient des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit « Couchez-vous auprès de lui les enfants. » Et reposez-vous, nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Les deux enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit, « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, » dit-il, « jusqu'à ce que la lune soit levée. » Alors, nous retrouverons notre chemin. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو إلى الأخير. انتظروا الأجزاء الأخرى من القصة في الفيديوهات القادمة ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et à la vidéo prochaine.